On est mariés. J'espère que tu vas bien. C'est une nouvelle semaine et elle démarre en tant que madame. Je suis trop contente. Mais par contre, c'est le bazar. Il y en a partout. Là, il y a les costumes. Bah là-bas, il y a plein de bordel. Donc on va commencer par ranger un petit peu. Il est quasiment midi. Monsieur m'a laissé dormir ce matin. Il s'est occupé des enfants. C'était très dur pour tout le monde et moi, je n'ai pas assumé. Donc du coup, je me suis réveillée qu'une fois cette nuit pour bébé. Et c'est déjà pas mal, hein. Il a été super. Tout s'est bien passé. Ça a été la plus belle journée de notre vie. Et maintenant, bah, le quotidien revient. Hein, le ménage ne va pas se faire tout seul. Donc du coup, c'est parti. Je vous prends vite fait dans la chambre. Je suis encore en pyjama. Il va falloir que j'aille me préparer. Je vais vous faire un petit récap du mariage quand même. Parce que je vais pas vous laisser comme ça. Monsieur, je le laisse au salon tranquille. Parce qu'il est beaucoup plus timide que moi. Et parce qu'il regarde la télé, donc j'ai pas envie de l'embêter. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bah déjà que je suis trop contente d'avoir épousé monsieur. Et c'est un peu bizarre parce que j'ai toujours rêvé de me marier depuis toute petite. J'ai toujours voulu me marier. Et quand on s'est mis ensemble avec monsieur, je ne voulais plus me marier. Et puis voilà, les choses ont fait que... On s'est paxé, on a eu des enfants, on a fait construire, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on a eu un enfant. Tout ça, la vie. Et aujourd'hui, bah, on est mariés, ça y est, on est unis pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc maintenant, on est, voilà, monsieur, madame. Ça me fait trop bizarre. Quand on m'appelle madame avec son nom de famille, ça me fait trop bizarre. Et à la fois, je suis trop fière et honorée de porter son nom, de porter le nom de mes enfants. Je suis sur un petit nuage depuis dimanche, enfin depuis samedi surtout. Mais voilà, c'est trop cool. Hier, on s'est reposé et... Qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir ma mamie, parce que ma mamie a fait une chute le jour du mariage. Je peux vous jurer que mon cœur s'est arrêté, j'ai eu très très peur, mais elle va bien. Et ensuite, j'ai fini la soirée avec ma soeur et son chéri, donc c'était trop cool, parce que maintenant je suis mariée, mais je vais bientôt être tati. Donc c'est la prochaine étape dans nos vies. Attends, j'ai posé sur un livre. Donc comme tu le sais, c'était nous qui préparions tout de A à Z. J'avais pas de wedding planner, j'avais pas de gens qui faisaient la déco, je me suis organisée toute seule entre guillemets parce que le chéri était là, mes copines, mes témoins, elles ont été mais exceptionnelles. Franchement, ce que je disais, on n'était pas nombreux parce qu'on n'était même pas une cinquantaine. Mais voilà, par rapport à la salle, au budget du mariage et par rapport aussi bah, qu'on pouvait pas inviter tout le monde parce qu'on a beaucoup de familles qui n'est pas sur le département, on a beaucoup de gens qu'on voulait inviter au début quand on avait fait la liste, on était 80, on n'était pas à 46 comme on était 80. Mais le traiteur nous a dit que la salle qu'on avait choisie, on pouvait pas être plus de 50, donc on a dû faire des choix malheureusement et on a réduit toute la famille qui n'était pas sur place. Et on a dit écoute... Tant pis, on fera plus petit. C'est pas parce qu'ils sont pas là qu'on les aime pas. Mais c'est vrai que ce jour-là, on n'a pas pu, entre guillemets, on n'a pas pu. On aurait pu louer une salle plus grande, mais le budget aussi n'est pas non plus... Voilà, pour une journée, on voulait pas dépenser 5000 euros, tu vois, c'est hors de question. Donc on a fait un petit mariage. On a vraiment fait la famille proche. Papa, maman, les sœurs, les tatis, les mamies, les cousins, cousines qu'on voit le plus souvent, qui prennent aussi des nouvelles de nous, des enfants. Parce que moi, il y a des gens que j'aurais pas invité. Même si j'avais un budget limité, il y a des gens que j'ai pas forcément envie d'avoir ce jour-là. Il y a des gens que j'avais envie d'avoir avec moi, mais que j'ai pas invité. Et il y a des gens que j'avais pas envie d'avoir, parce que c'est pas parce qu'on est lié par le sang que je suis obligée d'inviter. Quand on n'a pas de nouvelles depuis 15-20 ans, c'est pas la peine. Donc voilà, il faut faire des choix. Il y a des amis que j'aurais bien aimé inviter, mais voilà, pareil. On se voit pas assez, ou ils prennent pas de nouvelles, donc j'ai pas envie de partager ce jour-là avec eux. Il y en a que j'aurais aimé inviter, mais que bah, la vie a fait qu'ils sont pas venus, ou je les ai pas invités. Mais c'était trop cool, franchement je me suis mais régalée, ça a été exceptionnel. Mes copines qui étaient là pour le VGF, qui m'ont tout préparé, elles m'ont aidée mais d'une main de maître. Pour la déco on a tout fait ensemble. On avait tout préparé avec le chéri, donc c'est nous qui avons choisi la déco, même si je peux dire un peu plus moi. Et lui il a fait tous les dragées, moi j'ai fait tous les pliages des serviettes avec mon fils. On a vraiment, on s'est donné à fond pour ce mariage et c'était vraiment sympa, c'était à notre image, elle nous ressemblait, c'était pas un truc de fou. Mais en même temps c'était beau. Donc je suis trop contente. Mon chéri il a adoré ma robe. Et hier en rentrant, ouais hier, dimanche, je lui ai montré toutes les robes que j'ai essayées. Mais toutes les robes. Et je lui ai montré les deux entre lesquelles j'hésitais. Et il m'a dit franchement mon cœur, la robe que t'as choisie c'est celle qui te va le mieux, c'est la plus belle et tout. Donc j'étais contente, lui aussi était très beau. Je suis désolée, j'ai le truc du volet là. Il lui aussi était magnifique. Quand je l'ai vu,
En fait, c'est bizarre parce que je m'imaginais une entrée à la mairie. Déjà, je me suis toujours imaginée rentrer sur compter, partir, tout ça, tout ça. Et en fait, une fois dans la voiture, j'étais avec mes deux témoins, donc ma soeur et mon ami d'enfance. Et là, j'ai ma copine qui m'appelle et qui dit: ouais, la musique elle marche pas, t'as pas une enceinte? Ah non, en plus, je voulais demander à ma soeur son enceinte, mais non, je ne l'ai pas. Donc elle m'a dit: je mettrai avec mon téléphone. Et depuis toute petite, je rêve de rentrer sur compter, partir, tu vois. Donc je n'ai pas eu compter, partir. Mais en fait, à ce moment-là, c'était pas grave. J'ai rejoint mon papa. Déjà, j'ai eu envie de pleurer tellement il était beau. Et je suis rentrée et je me suis toujours dit: ouais, tu vas pour les enfants, tu vas truc, tu vas machin. En fait, j'ai fixé droit devant moi, il y avait mon beau-frère, le copain à ma soeur. Du coup, je l'ai fixé, je l'ai fixé. Et après, je suis rentrée dans la mairie et j'ai vu mon chéri. Et en fait, j'ai regardé personne d'autre. J'ai regardé que lui. J'ai pas cherché où étaient mes enfants, j'ai pas cherché où était un tel. J'ai vraiment fixé mon homme. Et c'est lui, il m'a dit: t'as vu les petits? Je fais: bah non, ils sont où? Et en fait, je me suis retournée, je les ai vus. Ils étaient beaux. Ils étaient tellement beaux. Déjà, quand je me suis préparée avec Swan, parce que j'ai dormi chez ma témoin la veille. Et quand j'ai mis le nœud papillon à Swan, je savais qu'ils allaient avoir le même. Pff, émotion de fou. Ah, je suis allée chez la coiffeuse. Je tremblais comme ça là. J'ai commencé à stresser quand je suis allée chez la coiffeuse. Après, la photographe est arrivée. Je me suis maquillée. Ma maman et ma soeur m'ont mis ma robe. Elles m'ont mis mes bijoux. Pff, exceptionnel, exceptionnel. Puis après, on a fait les photos dans le parc. On est allé à la salle et là, c'était hors du temps. J'ai quasiment rien mangé. Je suis quasiment pas restée avec mon mari. J'ai fait le tour, je suis essayée d'aller voir tout le monde, si tout se passait bien, si tout allait bien, si c'était bon, s'ils s'amusaient. Je suis allée voir les copains, je suis allée voir la famille. Et après, on a fait nos discours, on a ouvert le bal. C'était beau, c'était très beau. Et on a fait des activités, mais mes témoins, enfin ma témoin et une autre amie, ouais, bon, on s'en fout. Mes invités mes copines m'avaient préparé un jeu. C'était trop rigolo, on s'est régalé. Puis après, on a dansé, dansé, et les gens ont commencé à partir. Et là, ma mamie, elle est tombée bichette. Elle est très âgée et fatiguée, donc ça m'a fait très très peur, mais elle va bien. Je lui ai dit: ah, mamie, t'as voulu me piquer la vedette, t'as réussi. Mais vraiment, j'étais très, très stressée. J'étais prête à rentrer chez moi, à tout arrêter. Et non, mes copines m'ont dit: allez, Noémie. Et avec ta mère, elle a trop de bonnes mains, profite de ta soirée. Donc j'ai un petit peu dansé, on a fait la chenille et tout. Mais vraiment exceptionnel. Exceptionnel, c'était. Hormis la chute de mamie, tout était parfait. Mais c'était cool, c'était un beau mariage, un beau petit mariage. Et maintenant, bah, il faut ranger. Mais maintenant, je suis beaucoup, beaucoup moins stressée. J'ai un poids en moins sur les épaules. Je suis très contente. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais très tendue, très énervée, très stressée. Mais là, ça va mieux. Donc c'est parti, on va faire le ménage. Ça fait déjà 5 minutes, je parle, pas grave. Beneath the starlit sky, our love secret line, like leaves we soar. Hello le vlog, on est mardi. Ce matin, j'avais rendez-vous et mon chéri aussi. Là, il est en train de se reposer. Bébé fait la sieste. J'ai Nono qui joue dans la chambre parce qu'il a déjà grève. Voilà. Kiki est à l'école. Du coup, ce matin, je me suis levée que avec lui. Je l'ai amené à l'école. Ça nous a fait du bien de se retrouver que tous les deux. Et ensuite, on est allé faire les courses pour Soso. Puisqu'il faut que je refasse du batch cooking aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Et demain, je suis pas là. Je m'occupe de mamie. Et j'ai filmé le retour de course qui sera sorti mercredi. J'ai pas fait un drive Joe cette semaine. J'ai été faire les courses à Lidl. On en a eu pour 248 €, je crois. C'est hors de prix. Et encore, il me manquait des légumes que je voulais prendre pour Soane. Ils n'avaient pas d'épinards. Ils n'avaient pas de brocolis. Donc il va falloir que je change. Ils n'avaient pas de courgettes non plus. Ni de patates douces. Donc peut-être que j'irai chez le primeur dans la semaine. Mais voilà. Donc là, avec Joe, j'ai fait 5 recettes. Donc j'ai fait gnocchi au pesto rouge, pumping pasta, risotto de coquillettes, saucisse lentille et gratin dauphinois. Je vais voir quand est-ce que je l'ai fait. J'ai pris mon truc là pour monter mes menus. Et voilà, c'est déjà pas mal. Il faut que je passe à la mairie chercher mon certificat de mariage pour pouvoir changer mon nom de famille sur mes papiers officiels et que je rende les clés au traiteur. Et que je cherche un fauteuil parce que demain mamie elle a des rendez-vous et vu qu'elle est tombée au mariage, eh ben, il faut que je la trimballe en fauteuil.
Donc ça c'est bon, ma mère s'en est occupée je crois. Donc ce soir on va faire les gnocchis. Le midi on est tout seul avec mon chéri donc on va pas forcément manger. Demain ils sont chez papy mamie parce que j'ai rendez-vous et chéri aussi. C'est fait, j'ai mes menus pour bébé et pour nous. Pour nous, je vais pas faire du batch cooking parce que je vais être là tous les jours et qu'à chaque fois on jette. Pour bébé, oui, parce que je congèle. En général, je fais des repas pour 10 jours. Et par contre, ce que j'ai vu, je sais pas si je vais le faire parce que je vais vous filmer la vidéo batch cooking, c'est que soit je fais cuire tous mes légumes, je mixe tous mes légumes et après j'assemble. Sinon, j'ai vu aussi que je pouvais genre congeler des carrés de chaque légume. Donc congeler des carrés de patates, congeler des carrés de courgettes, congeler des carrés de brocoli et ensuite congeler la viande qui est cuite et après je décongèle à la casserole et j'ai jamais essayé. Donc on va voir, je vais peut-être faire les deux pour voir si ça me va ce système. Je cherche vraiment l'optimisation parce qu'il faut quand même que après j'ai la quantité nécessaire pour bébé, tu vois, il faut qu'il mange 130 grammes. Donc il faudrait que je congèle 130 grammes de petits pots, donc 10 grammes de viande et 120 grammes de légumes. J'ai acheté des avocats aussi pour lui donner comme ça en DME. J'aimerais bien commencer la DME avec lui maintenant qu'il tient assis. Et puis il va falloir que je lui achète quand même des compotes et des petits pots d'avance tout prêt parce que là ce midi j'étais persuadée, mais persuadée d'avoir un petit pot en rabe qui m'en restait un. Et en fait non, il a mangé hier midi. Donc en fait on est rentré des courses et ben, j'ai d'abord fait la tétée. Pendant ce temps-là mon chéri a décongelé de la soupe. Et voilà quoi, il a mangé ça à midi mais bon. On a toujours une tranche de jambon, 4 patates qui traînent, mais le problème c'est le temps de cuisson. Quand il a faim cet enfant. Hello le vlog! Je crois que je suis floue. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Ah, ma fille elle est là. Jamais loin de sa mère celle-là. Du coup, je vous prends, on est jeudi. Je crois que hier je vous ai pas pris, mais j'avais plein de rendez-vous pour mamie. Et j'avais mamie en fauteuil, le porte-bébé, etc. Du coup, je vous ai pas pris. Là j'ai bébé qui regarde la caméra, il est trop content. Et il faut que je me méfie parce que je suis allée jeter un truc au sale et il était à quatre pattes en train de passer par-dessus le lit, enfin, le cododo, pour attraper un truc. Donc il va falloir qu'on achète un lit à barreaux je pense. Je sais pas où je vais le mettre. Mais ouais, va falloir qu'on change bébé parce que là t'es trop grand. Ça y est, 7 mois, il escalade partout. Aujourd'hui je suis tout de beige vêtue. Alors mon lit n'est pas fait. Mais j'ai mis mon truc de chez H&M. Mon pantalon mango et mes Hugues. Il faut que je regarde sur Vinted pour des chaussures à Sohan. J'aimerais bien lui prendre des Hugues aussi. Il fait une chaleur. Il y a une luminosité dans cette chambre. C'est incroyable. Vous ne me voyez plus. Du coup, il est 9h30. Je rentre de l'école. Donc on est parti en trotte et en vélo. Sohan s'est endormi, ça c'est trop bien, j'adore quand ça fait ça. C'est autant il y a des choses, tu vois, la routine, tout ça, je déteste, autant ça. Le matin, j'amène mes enfants à l'école, le petit s'endort sur la route, j'adore. Je rentre, je fais mon café, mon ménage, mon linge. Et ensuite, il faut que je fasse deux trucs. Donc j'ai mis Soso dans notre ancienne chambre qui est actuellement un bordel sans nom. Il y a la déco du mariage, il y a tout. Vintage, il y a tout, donc là il faut que je m'en occupe. Je pense que j'en ferai une vidéo YouTube. Et parce qu'il faut que je trie mon armoire, tout ça, tout ça. Il faut que je range la chambre des garçons parce que c'est un gros bordel. Et je prends sur moi, mais là j'en peux plus. Il faut que je range mon maquillage du mariage. Et il faut que je fasse du batch cooking pour bébé. Bon, on va aller manger en amoureux. Faut qu'on aille à Action. Vous ne voyez pas, faut que j'aille à Action là. Chercher du liquide vaisselle, du sopalin. Et je me suis noté 2-3 trucs. Il faut que je prenne un truc pour Swan et pour ma nièce. Elle n'est pas encore là, mais je lui fais déjà des cadeaux. On a été à Action avec le chéri. Je vais vous changer la batterie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous ai posé sur ma boîte de Springles parce que je ne sais pas où est mon trépied. Alors, j'ai pas acheté grand chose puisque tu vas te faire un tour de cou là, il fait un demi-tour 360 pour voir la caméra. Non, il se lève. Ça y est, mon chéri hier, il lui a montré comment se lever. Non, il lui a montré comment se lever dans le parc, maintenant il se lève du lit, du parc.
Bref, du coup, j'ai fait 3 actions pour trouver ça, que je vois passer partout sur TikTok, Instagram, et je le voulais trop. Donc là, j'ai trouvé les fruits et les légumes pour Sohan, et je cherche le même, avec les viennoiseries pour ma nièce. Elle n'est pas née, que déjà, elle me fait faire tout le tour du département. Donc demain, je fais une autre action. Ensuite, j'ai pris des petits bacs à glaçons comme ça. J'ai pris des chaussettes pour Soso. Des chaussons pour Soso. Je suis en train de regarder, là j'aimerais bien lui trouver des Vans, des Uggs ou des Converse. Je suis en train de regarder sur Vinted puisque j'ai une petite cagnotte. J'ai pris, il y a un truc qui a coulé. De l'adoucissant. Je me demande si c'est pas ça. Ah bah si c'est ça qui a coulé. Il va me tuer mon chéri. J'ai pris des sachets comme ça pour ces petits pots comme je vous ai montré ce matin. Mais il n'y a pas de zip. Dans l'autre action, je me suis trouvé ça là, à 99 centimes pour les frisottis. J'ai repris mon Unstoppable à 11 euros. Des sacs poubelles, il m'en fallait. Bah ça du coup, il faut que je le mette en machine. Mais c'est pour ma nièce. J'ai acheté le même à Soso. Et du coup, je l'ai pris pour ma nièce. Mais il va falloir que je le lave. Et je lui offrirai à Noël. J'ai pas eu de fille, ok? Donc je vais me lâcher avec ma nièce. Mon chéri m'a déjà prévenu. Ensuite, du liquide vaisselle, j'en avais plus. Le chéri s'est repris du shampoing. Moi, j'ai pris ça pour l'anniversaire à Nolan, puisque le 30, il fait 5 ans. Donc ce sera pour son anniversaire. Et je me suis pris ensuite des petites merdouilles à 2,22€. Des scrubs comme ça pour le corps. Quand je vois qu'avant j'ai payé 40€. Et là c'est vegan. Alors je sais pas s'il y a vraiment une différence entre celui-là à 2€ et celui à 40. J'espère au prix que ça coûte. Mais il faudrait que je compare les ingrédients qu'il y a par exemple dans mon gommage à moi et dans celui-là. Et que je regarde sur Insee Beauty. Je fais pas trop attention, je vous avoue. Là je vois écrit vegan. Pour moi c'est bon, tu vois, mais s'il faut non. Et ensuite j'ai vu passer ça, apparemment c'est des copies des Olaplex, sauf que ça valait 2€ pièce. J'ai pas pris le sérum parce que j'en ai plein, que ce soit un que j'avais acheté quand j'étais chez Jolie Moi, ou que ce soit le Olaplex justement que j'ai reçu. Il faut juste que je cache mes légumes et ça avant que mes enfants arrivent parce que c'est pour Noël. Et après le reste je m'en fiche et je vais vous montrer un truc, j'ai commandé, j'ai reçu ma box. Mais j'espère que je ne me suis pas trompée. Du coup, je suis déjà en train de préparer Noël, d'acheter les cadeaux. Alors déjà, je fais pas les calendriers de l'Avent, mes enfants, cette année, parce que bah, à chaque fois, ça me coûte beaucoup trop cher. Et comme je suis en congé parental, on va éviter. Mais par contre, je veux quand même leur faire des cadeaux à Noël. Donc là, ce sera deux petites bêtises pour mettre au pied du sapin à ma nièce. Mais elle aura bien évidemment un vrai cadeau. J'ai reçu mes pubs et en ce moment il y avait une offre sur la Blissim. Vous savez que c'était ma box préférée. Et si on commandait la box, on avait avec 3 brumes soldes généraux. Sauf que comme j'étais abonnée, j'ai déjà reçu ma box d'octobre. Non, j'ai reçu ma box de septembre. Et là j'ai bien peur d'avoir reçu une deuxième box de septembre. J'espère que c'est celle d'octobre, sinon je vais être déçue. Parce qu'au final, ben, ça c'est offert. Mais si je paye deux fois la box, ça revient au même. Donc... Donc il y en a 3, il y a la 62 que j'aime pas du tout, donc je vais la filer à ma soeur. Non, celle-là j'arrive pas, cette odeur c'est fou. Je crois que c'est elle que j'aime, j'avais été la sentir à Nocibé. Ah ouais, ah celle-là, elle sent divinement bon. Et celle-là je sais pas c'est laquelle, la 76, je me demande si c'est pas celle que j'ai reçue. J'avais reçu la crème à tester. Je sais pas si c'est elle. Oh, elle sent super bon. Et elle, on voit si j'aime toujours pas. Je sais pas, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est trop sucré. Ça, c'est ok. Et du coup, est-ce que c'est la box d'octobre ou de septembre? Je sais pas, elle est emballée. Surprise, à mon avis. Je vais être déçue. Ah putain, c'est la même que j'ai reçue. C'est celle de septembre. Je vais avoir les mêmes produits. Bah oui, j'ai exactement. Ah non, ça j'avais pas eu ça. Mais j'ai le même mascara, j'ai la même crème. Je l'ai reçu deux fois. Bah écoutez, c'est pas grave, je le mettrai de côté pour un concours. Et puis voilà, hein.
mais j'espère que je vais recevoir celle d'octobre. Du coup, il faut que je regarde parce que j'ai dû créer un autre compte pour profiter de la promo et j'espère que je n'ai pas été prélevée deux fois. J'espère que je regarde tout ça. Sur ce, j'ai toujours pas fait mon batch cooking, donc je pense que je vais le faire demain. Sachant que l'après-midi, je suis pas là, j'ai rendez-vous chez le tatoueur avec mon papa. Il veut faire un gros tatouage pour ses 60 ans. Et moi, je veux rajouter le prénom de Swan au mien. Donc, il faut que je fasse un devis. Et je veux me faire tatouer leur premier mot. Je pense que je vais l'écrire ici en rouge. En écriture imprimante. Machine à écrire. Affaire à suivre. Bon, il est 19h. J'ai voulu commencer les devoirs, mais mon grand, il est parti les faire dans sa chambre. J'espère qu'il avance. Avec chérie, on a préparé des petits gâteaux pour le matin. Donc j'ai fait caramel, pépites de chocolat. Et là, il y a le nature qui va pouvoir bientôt sortir chez Cure Air Fryer. J'ai fait un peu plus tôt dans l'après-midi des crumbles à la framboise. J'ai fait des lasagnes aux épinards pour demain. J'ai fait décongeler le petit pot de bébé pour ce soir. J'ai fait une soupe. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas montrer d'alcool sur YouTube. Donc j'ai fait une soupe avec des petites pâtes à potage et là je suis en train de faire des épinards avec des œufs bénédictins. Je sais pas comment ça s'appelle mais avec des œufs, mon fils m'a demandé ça. Je suis en train de faire des œufs là qu'il va falloir que j'arrête et de décongeler le petit pot de demain pour bébé. Et je filme avec mon portable pour faire un grand angle, donc j'ai tout changé la disposition de la chambre. Donc le lit, la tête était de l'autre côté et bébé était à côté de moi. Et ma coiffeuse était à la place du lit, sauf que vu qu'il se lève, il a fallu tout changer. Et comme on n'a que 3 chambres et qu'on est 5, on a un gros problème. Donc, du coup, la chambre est comme ça maintenant. J'en ai profité pour sortir la couette, il faut que je fasse le lit. Le seul truc qui n'a pas changé de place, c'est la commode de bébé. Ça aurait été tellement facile de mettre son lit ici et la commode ailleurs, mais ce n'est pas possible. Donc là, j'ai mis mon meuble avec les cases et mon coloriage. Là, j'ai mis ma coiffeuse avec ce que j'ai pu. Là, j'ai mis du coup le lit de bébé. Ma table de nuit et j'ai dû remettre mon meuble Alex dans la chambre. J'ai dû remettre mon meuble Alex dans la salle de bain puisque ça ne passe pas là. J'avais essayé de le mettre à la place de la table de nuit mais ça bouffait trop de place et pour poser bébé c'est chiant. Donc j'ai mis bébé contre le mur. Puis voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas pousser les murs. La chambre là-bas, il y a vraiment un énorme bazar. Il y a toute la déco du mariage, tous mes trucs vintage, donc il va falloir que je trie, que je me débarrasse de tout ça et que je mette Nolan là-bas parce que les deux dans la même chambre, c'est une catastrophe. Jusqu'à 11h du soir, ils font les cons, ils courent, ils crient. Du coup, vu qu'on est à côté avec Soso, il le réveille. Donc vraiment, c'était la pire idée que j'ai eue, mais de toute manière, il aurait fallu faire quelque chose puisque le lit parapluie ne serait jamais rentré dans l'autre chambre. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux faire le batch cooking maintenant puisqu'il faut aussi que je me prépare pour aller avec mon papa chez le tatoueur cet après-midi. Il va falloir que je floute tout parce que là, on voit Soso derrière. Et puis voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Hello le vlog, on est samedi. Non, moi je filme pas le week-end. Mais là je vais faire une vidéo cet après-midi. Il faut d'abord que je fasse à manger aux enfants. Que je m'habille. Et je vais faire la vidéo batch cooking pour Soso. Donc il faut que je filme cet après-midi, que je monte ce soir pour qu'elle soit en ligne demain. Et puis voilà, c'est parti. Là je vais faire des frites pour ce midi. Pour les grands et pour moi. Mon chéri va du sap avec son père, donc il mange pas avec nous. Puis voilà, c'est parti mon kiki, j'ai rangé toute ma cuisine, le chéri m'a aidé un peu à nettoyer parce que je suis un nain. Mais j'ai nettoyé toutes les façades, tous les murs, là j'ai nettoyé ici derrière le... Cet truc là, je sais plus comment il s'appelle. Le air fryer parce qu'il y avait du gras partout et ma cuisine est propre. Elle est toujours trop petite mais elle est propre. Donc c'est parti, j'ai fait les frites pour ce midi, les nuggets on les a fait cuire hier soir puisqu'on était que tous les deux. Donc j'ai mangé 4 nuggets. Et puis voilà, c'est pas mal, j'ai nettoyé ma machine à café, tout ça, donc je vous reprends un peu plus tard. Ok, donc je suis en train de filmer ma vidéo batch cooking, je vais enlever mes écouteurs parce que bébé est réveillé. Avec un écouteur, les deux portes fermées, le monsieur cuisine qui bouge, qui tourne, je l'ai entendu. Il a pas pleuré, il a fait ouin, alors que d'habitude tu me parles à côté, j'entends rien du tout, je suis sourde comme un pou. Du coup, je continue ma vidéo batch cooking, mais franchement je suis déçue de plus avoir de compost parce que tout ça, ça va aller à la poubelle. Et là je suis en train de faire mes légumes. Et en fait, j'en profite pour, en même temps que je fais des légumes à bébé, en faire pour nous. Donc là, je vais faire un crumble butternut potiron. J'ai aussi fait un crumble comme ça de pommes. Et bah, du coup, j'ai fait les légumes à bébé. Les fruits à bébé, là, il y a les légumes qui cuisent. Donc c'est parti, je continue. Je vais vous montrer peut-être comment je fais mon crumble salé.
Alors, ça, c'est pour ce soir. On va faire soirée pizza devant la télé. Donc, je vais faire une pâte, une pizza aux patates. Là, j'ai ressorti mes feuilles de framboisier pour ma soeur pour qu'elle boive avant l'accouchement, puisque moi, j'en ai pas pris. Et la Just Before, on peut la prendre avant l'accouchement et après pour l'allaitement. Donc, je suis en train de m'en faire une petite tisane. Normalement, j'ai ma tisane Weleda. Mais je pense que je vais passer sur celle-là, le temps de la finir, parce que c'est exactement la même chose. Donc je vais faire moitié-moitié avec ma soeur. Et voilà, on va faire le crumble. Donc ça c'est pour Soso, j'ai plus de... J'ai plus de saladier. Le vlog, il faut que je vous nettoie, vous êtes sale, l'écran est dégueulasse. Je suis en train de faire une pause dans mon batch cooking puisque bébé a faim et ben je crois qu'il valide ma compote mangue. C'est bon mon amour. Mmh.